plaine, le reste sera dans cette zone-là. Et ici, tout ça, on met plein de déblais, on compacte tout ça, on met du géotextile, on met notre stabilisé calcaire, enfin le revêtement qu'ils ont prévu au final. Ça, on le verra plus. Promenade, vite fait, hein. Elle sera à peu près à cette hauteur-là, il faudra qu'on la remette en déblais. Thank you.
éprouvettes qui serviront à valider la qualité du béton. Et elles sont stockées là pendant une journée. Demain, je vais venir la récupérer. Elles sont stockées au laboratoire. Il y aura un écrasement à 7 et 28 jours pour savoir la résistance du béton. Voilà, ça va se tourner dans de bonnes conditions de chantier. Le cône est rempli, par ici. Il est arasé. Une fois qu'on a terminé, le cône est rempli. On le démoule. Et le fait de soulever, le béton lui va s'affaisser. Et on mesure son affaissement, c'est ce qui lui donne sa plasticité. C'est comme ça qu'on connaît sa plasticité. Ni trop fluide, ni trop peu. Il y a des règles, il y a des mini-maxi. Le béton doit être dans cette fourchette. Et s'il dépasse, on est en mesure de refuser le béton sur le chantier.